Kate, l'implication de la duchesse de Cambridge en tant que mécène du rugby est un grand coup de pouce pour la communauté féminine, a déclaré un producteur royal. Kate, la duchesse de Cambridge, a récemment été nommée marraine de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League d'Angleterre. Lizzie Robinson, une productrice royale, a affirmé qu'elle avait été informée par la capitaine de rugby féminin de la RFU, Sarah Hunter, que la présence de Kate est un grand défenseur de la communauté et de la base. Kate s'est jointe à l'équipe pour une séance d'entraînement rapide à Twickenham. Lizzie Robinson, productrice de Royal chez ITV News, a déclaré, elle aurait pu facilement venir à Twickenham hier, rencontrer des gens qui ont dit bonjour, et est repartie et en fait, le fait qu'elle voulait vouloir participer, j'ai pensé que c'était fair play. Chris Shipp, rédacteur en chef d'ITV News Royal, a déclaré, c'est la différence entre ce qui fait un très bon engagement royal et ce qui ne le fait pas parce que si souvent vous pouvez basculer sur des choses sans vous impliquer, restez là, discutez et repartez, vous pourriez obtenir l'ancienne image, mais c'était en fait une bonne image, une excellente image à la fois pour la télévision et les images fixes, n'était-ce pas? Madame Robinson a déclaré, oui, elle a fait la une des journaux, Madame Shipp a poursuivi. Avez-vous fait une sorte de mêlée et vous êtes-vous entraîné à faire du brouillage? Il y a eu un dropkick, il y a eu un coup d'essai sans essayer et le jeu des femmes et des hommes aussi. Madame Robinson a poursuivi. Oui, et en fait, j'ai parlé à la capitaine féminine Sarah Hunter par la suite et elle m'a dit à quel point c'était formidable d'avoir la duchesse de Cambridge en tant que femme parce qu'elle sait qu'elle peut promouvoir le sport féminin dans le jeu féminin et est une sorte de grand défenseur de la communauté et de la base. Donc, ils veulent vraiment voir encourager les gens à travers et en s'impliquant hier et en étant à la une de chaque journal. Elle a mis en valeur le sport et la plateforme et c'est ce qui fait un bon mécène.